T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton quatre-roues, tirer des affaires au chalet, ou bien te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable Winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable Winch. C'est simple. C'est fort. C'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable Winch. Content, on est heureux, puis surtout fier de la date où est-ce qu'on est rendu, parce qu'on est fébrile, vous savez, dans plusieurs zones en fin de semaine, dont la zone 28, on rentre notre premier séjour de chasse, donc on est fébrile, on est vraiment content de vous parler, parce qu'on ne sera pas là pendant un petit bout de temps, on va être en tournage, donc on va juste vous revoir après ça à partir du mois de décembre, mais on est vraiment content que vous soyez là, on a de l'action pour vous autres ce soir, alors ça va être un plaisir. Hey les boys, je voulais vous souhaiter bonne soirée aussi, Dan, Jason, Ken, comment ça va les gars? Hey, ça roule au fond Léon, m'a dit. Écoute, moi je suis en pleine transition, j'ai encore des tournages de pêche à l'horaire. Tournage de chasse au travers de ça. Je m'en vais rejoindre les gars justement lundi pour entrer dans la saison d'Orignal. Les gars vont déjà avoir une partie de fête. Ils vont avoir travaillé fort, je suis pas mal sûr, mais je peux te dire que je suis bien fébrile et j'ai hâte d'aller les retrouver. Excellent. Yes. Et vous autres, les boys, Dan et... nous autres, même affaire, on commence à être crinqués, on est dans un préparatif. Écoute, ça fait trois jours que je prépare du stock, je sors du linge, je lave du linge, je prépare ci, prépare ça. Au travers de ça, on reçoit des centaines de messages. Écoute, le monde, c'est un site, on le sent que la chasse s'en vient. Le messenger, il n'est pas rouge, puis c'est tout. Fait que, écoute, ça bouge, là, on se met en mode chasse. C'est samedi que ça commence, qu'on va avoir du fun, c'est certain, là. Absolument. Puis en plus, samedi, il annonce super beau. Il annonce 27, les boys. Vous allez avoir du fun. Je suis content. Mais écoute, ça fait partie de la chasse. Mais après ça, hop, il nous annonce une drop en température. Fait que j'ai bien hâte de voir. Dan, tu vas être prêt aussi, je pense, là. Yes, bien sûr. La préparation aussi, comme tout le monde. Un gros rush de préparation, dans le fond, parce que tu avais donné dernière formation, dernière fin de semaine, là, dimanche soir. Samedi, dimanche, j'étais au Lac-Saint-Jean. Puis là, depuis lundi, là, comme Jason dit, là, lave le linge, prépare le stock, démêle le stock. Puis on n'avait pas négligé ça durant l'été, passer l'été déjà la pédale au fond tout l'été sans arrêt. On est dans l'Orignal tout l'été. Après, tu sais, dans tout ce qui entoure l'Orignal, mais là, on rentre vraiment dans la saison que tout le monde capote à ces deux mois de l'année-là. Donc, on est rendu enfin là. Écoute, dans quelques jours seulement, on va déjà se promener et essayer de trouver les premiers orignaux de la saison. Fait que, ça va être bien, bien le fun. Excellent. Puis toi, Dan, j'espère que ton genou va être plus fluide que ton image parce que ça lag. Oui, mais tu sais, Dan, je n'ai pas changé. Je suis encore au propane. On a remarqué ça. Que t'es encore au propane. On a vraiment remarqué ça. Écoutez, boys, on voulait juste mettre une mise au point ce soir. C'est qu'on va faire tirer. Bochnel nous a gâtés en tabarouette. Bochnel nous fait tirer ce soir
un télescope Bushnell Elite 4500, un 2.5-10-40. Hey, ça va être envoyé de chez Bushnell directement à notre gagnant ce soir. Donc, je pense que ça vaut la peine. Il y a Extrême CG, Carl Gilbert, qui vient de me confirmer qu'on aurait peut-être 2-3 bouteilles d'urine à vous faire tirer aussi. Fait qu'on va tout avoir ça ce soir. On a des beaux tirages, on a de l'action, on a des invités. Ce soir, nos deux invités, en plus des clips, des films qu'on a, je vous promets que vous allez avoir toute qu'une soirée. Qu'est-ce qui est important? Pour les gens qui veulent participer au tirage ce soir, vous devez soit commenter et partager. Non, je pense que c'est les deux. Vous devez commenter et partager notre live. À partir de ce moment-là, vous êtes... écoutez, on a fait plein l'hiver passé et on voulait vous gâter en grand ce soir. Ça fait que ça va nous faire un immense plaisir de faire tirer ce fameux télescope de nos amis de chez Bushnell. Et il ne faut pas oublier, il y a une méga promotion Bushnell, on l'a à l'écran présentement. Les gens qui veulent en profiter pour aller chercher de l'optique Bushnell, que ce soit des... je crois qu'il y a des jumelles, il y a des range fender, qu'on appelle un télémètre, ou même les télescopes. Écoutez, vous avez 30 % de rabais. Ça vaut la peine, c'est une remise postale, donc allez chez vos marchands le plus rapidement possible. Donc, Bushnell sont en feu et justement, ils nous le demandent bien ce soir avec justement nos, les promotions qu'on fait avec eux. Écoutez... Hey Daniel, allez... avant d'aller plus loin, là, parce que ça fait longtemps qu'on a parlé à notre gang, j'aimerais ça savoir, moi, parmi les gens qui nous écoutent, s'il y en a parmi vous qui vont faire de la chasse en début de saison comme on va le faire nous autres. Fait que la première moitié de septembre, s'il y en a parmi vous qui fait de la chasse, j'aimerais ça le savoir. Puis sinon, un petit peu savoir quand est-ce que vous prévoyez y aller, vos dates, tout ça. Écrivez-nous dans le chat. Moi, j'aime bien ça. Je lis souvent, je regarde souvent ça. Puis à partir de là, des fois, s'il y a des petites questions qui se formulent, on a deux guides qui sont vraiment ça à coche avec nous. Fait que ça se pourrait qu'ils répondent à 2-3 petites questions de même. Oui, on va lui faire des petits calls. Donc, Dan, le call du hibou, il est bon dans ça. On regarde ça pour lui. Maintenant, on y va avec notre premier invité. On a deux invités ce soir. On a notre ami Louis Turbide de 100% chasse et pêche, qui est, faut bien le dire, un magazine électronique. On est encore au tout début, mais j'aime ça en parler avec Louis. Hey, Louis Turbide, comment ça va? Ça va super bien. Comme vous autres, je suis aussi excité que vous autres au niveau de la chasse. Quand tu arrives demain, c'est le 1er septembre, là, on commence à capoter toute la gang. Pour répondre à la question de Kenny, moi, justement, je fais une chasse à la mi-septembre. Je vais essayer de faire récolter le premier orignal à ma blonde à notre chalet sur la Zec Chabot-Parle. C'est un défi excessivement ardu, mais j'ai hâte de le relever. Puis après ça, je vais à Rimouski, au réseau de Rimouski, au début octobre. Absolument. Je ne suis pas inquiète que tu vas réussir à faire récolter ta femme. J'ai entendu dire que tu avais 2-3 petits trucs en arrière de la cravate. Fait que, je ne suis pas inquiète pour toi. Oui, en parlant de trucs, je pense que dans votre dernier magazine électronique qui a sorti, je vois 15 jours, je crois. Oui, le magazine, le deuxième, le magazine d'août a sorti le 15 août. Daniel, je ne veux pas me vanter, là, mais c'est une bombe, ce magazine-là. On a 6 dossiers complet sur l'orignal. Vous savez comment je suis maniaque d'orignal, là? Je le sais qu'à partir de la mi-août, le monde capote tout puis ils veulent tout connaître sur l'orignal. C'est des dossiers complets. Il ne faut pas oublier, le magazine, c'est un magazine électronique, mais c'est un magazine gratuit. Il y a beaucoup de monde qui pense qu'il est gratuit au début, puis dans 2-3 magazines, on va commencer à faire payer le monde. Non, c'est gratuit aujourd'hui, demain, dans un an, dans 2 ans. Puis je suis quand même assez fier, Daniel, d'annoncer que on est rendu à notre deuxième magazine. Donc, ça fait 3 mois qu'on existe, qu'on vient de dépasser la barre des 10 000 abonnés déjà. C'est vraiment exceptionnel. Mais comme je dis à tout le monde, on le donne, le magazine, c'est comme si tu donnerais un cadeau de 50 $ à chaque personne, autrement dit, qui est maniaque de chasse et pêche. Là. À chaque année, je donne un cadeau de 50 $. Tout ce que je demande aux abonnés, bien, premièrement, aux gens, c'est de s'abonner, c'est sûr. Mais aux autres, là, si chaque personne en parle à 2 ou 3 de ses chums, ses amis de filles, n'importe quoi, on est rendu à 30 000, 40 000. Ça serait extraordinaire. Puis c'est ça qu'on vise dès la première année. Ça fait que vraiment, un magazine à voir. Absolument. Puis écoute, Louis, je pense que nous autres, de notre côté, on va travailler fort pour faire
connaître ce nouveau magazine-là. Puis qu'est-ce qui est super important, c'est de le dire, c'est gratuit. Donc, écoute, puis c'est pas à cause que c'est gratuit que tes collaborateurs sont moins bons au-delà, parce que vous avez toute qu'une panoplie de gars d'expérience qui est en arrière de ça. Là. Exactement. Puis il faut aussi penser, c'est vraiment, moi, là, je n'ai jamais vu un magazine en Amérique du Nord conçu comme on l'a conçu. OK, non? Que tu regardes le magazine sur ton PC, une tablette, ton téléphone intelligent, tu n'as pas besoin d'agrandir l'écran, rien, là, c'est fluide, c'est exceptionnel au niveau de produit, puis il y a de la vidéo à côté là-dedans, le monde adore ça, les vidéos, là, pour complémenter les articles, là, vraiment extraordinaire, puis comme tu le dis, une équipe du tonnerre, vraiment, là, j'ai vraiment été chercher, après 20 ans d'expérience dans le domaine, j'ai quand même pas mal de contacts, je suis très, très fier de l'équipe qui est derrière moi. Absolument. Ben écoute, Louis, je voulais te dire un gros merci. On va continuer à se voir, à se parler régulièrement, puis surtout cet hiver, on va essayer de faire connaître vraiment le magazine à sa juste valeur, puis je suis pas inquiète, les gens vont quand même le voir, puis c'est important, c'est pas juste pour un mois que c'est gratuit, ça va toujours être gratuit. Donc ça, c'est important d'en parler aux gens, là. Exact. Puis garde, on en sort un autre le 15 septembre. Et en septembre, 4 gros dossiers d'Orignal. J'en ai un, moi, c'est Orignal, jouez vos cartes stratégiquement, que j'ai personnellement écrit. C'est du bonbon à lire. Puis vraiment, ça donne, il y a beaucoup de monde présentement qui disent que les Orignaux sont éduqués, sont si. J'ai ma petite opinion là-dessus. C'est mon opinion personnelle, mais j'arrive avec des faits concrets. Puis je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Bon, mais excellent. Écoute, Louis, un gros merci. Merci beaucoup. Je te laisse aller à tes. Je sais que tu as beaucoup de travail. Fait que merci, puis je te promets qu'encore en décembre, on va se reparler, on va se parler de notre saison qui va finir dans les juste avant décembre. Okay. Fait qu'encore un gros merci, puis on invite les gens à aller s'abonner, c'est gratuit, donc allez chercher, puis allez cliquer en bas, donc vous allez être capable d'avoir votre magazine gratuit. Merci beaucoup, Louis, c'est toujours un plaisir. Merci. Ça me fait plaisir. Bonne saison de chasse, les gars. Merci beaucoup, Louis. Bye. Merci. Hey, on revient à nos moutons, les boys. Je pense que Dan Lavoie, la semaine passée, t'as fait un pause en voulant dire au monde, hey, devinez combien de kilomètres qu'on a fait avec la prospection que tu as faite. Puis je sais que le monde, on dit plusieurs, écoute, ah, t'as fait 5 kilomètres, t'as fait 6 kilomètres, mais vous avez fait un petit clip, OK? Je pense que Jason puis toi, vous avez fait un petit clip. Puis je pense qu'on va regarder ça puis on va en jaser après. Ça a-tu de l'allure? Ben, vous voulez peut-être parler un peu avant ou quoi? Bon, écoute, on peut y aller puis on jasera après. OK, bon, excellent. Fait qu'écoutez, on s'en va sur le clip de prospection. Donc, c'est de la prospection que vous avez fait ça quand, Dan? Au début de la semaine passée, je crois. Hein? Oui, oui. Excellent. Ça fait qu'on vous montre ça et on vous revient immédiatement après. Merci. Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium. Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Écotone possède les meilleures marques sur le marché. Écotone, au service de vos passions. Depuis 1946 et encore aujourd'hui, les vêtements Sport Chief sont votre référence en matière de chasse et de pêche. Nous partageons tous la même passion. Sport Chief. Check this out, gang.
territoire de chasse à moi puis Jason, on est prospecté. On a trouvé une souille. Une méga souille. Pas des blagues, là. Je suis couché dedans, là. Au complet. On va m'éloigner, on va avoir mieux, parce que... Non, dénivelé, je suis quasiment, regarde, tu me vois quasiment pas. On commence à... Ça, c'est de la souille, c'est pas gênant. Ça, c'est une souille. Ici, on la voit mieux un peu. À 4 pieds, 4-5 pieds en rond, hein? Ce boc-là, il va être en danger. Solide, pour de ça. On va se mettre sur son cas bien vite. Ouais, puis garde là-bas, là. On a une autre belle grosse. Hein, pour vous dire, là, dans 300 pieds, vous trouvez quoi, 25, 30 sous? Hein? Pour les frotteurs, là, on les compte plus, ça fait longtemps, frotteurs, parce qu'on a perdu le fil. On a trouvé la place. Yes, sir. Ah, le pire, c'est que, droit en arrière, on a un char passé qui se met, là. Ouais, ça, c'est bien vrai, ouais. Ouais. Solide, ça. C'est un bac, un sérieux candidat pour les prochains tournages. La chose à peu. Ouais, ben. Ya. Ouais, on est. On mange en marchant. Ça fait 19 km qu'on marche. Il est 2 heures. 2 heures, fait qu'il nous reste encore 6 heures. On marche au moins à l'heure. Quelle vite à peu près? On va essayer en tout cas? Oui. Là, on a trouvé de quoi de bon à 5 km d'ici. Ouais. Là, on fouille, là. On va trouver de quoi d'autre à quelque part, là. Mais... Pas le temps d'arrêter, là. On va se craquer, bien sûr. Good. Good. Yes. Un petit lunch, on va dire que c'est notre break de la journée, mais il est comme 4 heures déjà. Ouais. Là, table d'hôte, salade macaroni avec mon tarion. Je dirais que. On va faire un petit break, là, ça fait du bien. Un pied à sans feu, là, on va 23-24 km déjà de feu. Ouais, 23-24. Là, on mange, puis après ça, on reclenche pour un. On essaie de faire un dernier 3 heures avant noirceur. Ouais, ça pourrait arriver qu'on arrive vraiment à noirceur, là, rendu là. Ouais, on va amener des lumières, parce qu'on va peut-être bien. Il en reste grand pas mal à fouiller. Fait que c'est ça, la prospection, là. Les bêtes de chasse à l'heure. T'es mort la bête. Ouais, comment ça fait. Là, il y a peut-être qui va être sceptique, là, mais d'après moi, on pète 40 km dans notre journée. Là, il reste encore quoi, une heure, minimum. Ouais. Ça rentre au camp, au moins une heure, puis on marche de méchant pas. Vous voyez, il n'y a plus de soleil déjà, ça fait un bout. Là. Fait que c'est clair qu'on va finir ça de voir ça. Ouais. On a marché pas mal. Ouais. C'est pas mal le record. Yes. On était censé remarcher demain matin, mais... Au moins, on a trouvé du lait. Ouais, ouais, au moins, c'est ça. C'est le principal, c'est ça. Fait que ça ressemble à ça. C'était bien abusif un peu, dire c'est ça une journée de bête de chasse, là. Pas tout le temps. D'après, oui, c'était un peu intense, mais en tout cas... Quand on est brûlé, c'est parce que c'est ouais. Une vraie journée. Oh, oh, ouais. Écoute, fait qu'on s'en va au camp, puis... Le coup, nous faire du pack. Yes! Et lui qui cuisine, moi, je suis plus capable de marcher. Oh boy! Je suis plus capable, j'ai plus de jambes. En fait, j'ai plus de tour de pied, d'après... Ça j'ai pas à t'avoir, mais selon ce que je pense, d'après moi, il manque un quart de pouce de pet pied. C'était... Je pense que j'ai battu mon record à vie aujourd'hui. Alors, j'ai battu pas rien que je pense. Je suis sûr que j'ai battu le record. Jamais marché de même. C'est pas compliqué, là. Non, moi non plus, l'ambition, là, jamais. Toute journée confondue. Jamais ma chaude que ça. En plus, je suis pas de bon sens. On est brûlés, je trouve ça trouve ça drôle demain qu'on est fatigué. Ouais. On est trop à gueuler, on a traversé la rivière. Toute qu'une journée. Ouais. Hey, Jason, j'ai soif, moi, puis j'ai vu de quoi tantôt, on n'a pas grand chose à boire, honnêtement, là. Puis ouais. on veut plus sortir pour aller remplir les bouteilles d'eau, tellement on va les pieds maganés. Mais j'ai dit quoi ces tablettes tantôt? Oh! un petit restant de Captain Morgan, d'après moi, c'est un restant d'une chasse que t'as fait ici. Oui. C'est sûr. C'est un cadeau de on chasse. Oh! De chum Louis Gagnon qui nous a laissé ça ici. Ouais, là, j'ai regardé vite. On n'a pas grand-chose avec quoi boire ça. Mais, j'ai checké tantôt, puis... Un rhum boule, là, ça ferait un rhum boule, ça ferait-tu ça? Un rhum boule, un Red Bull. Ça va sûrement être ça, de toute façon. Ouais. Fait que, je pense qu'on va s'en faire un petit juste pour dire qu'on
On profite de la soirée. Yes, on va relaxer notre journée de marche. Ouf. Ouais. Fait que, rumble, Jason. Santé. Santé. Bien soir. Belle journée de prospection. Yes, brûle les raies. On a fait le décompte, ça fait pas longtemps avec le GPS. On a fait, ben écoute, je sais que le monde va dire qu'on est des malades, ça se peut pas, mais compter sur le GPS, 38,4 km aujourd'hui. Puis, on a fait de la montagne. C'est un méchant ouais, on est montée de sang, montée de sang, c'est ça. Mais on a trouvé des signes dans hier. Oui. Ça valait la peine. Ouais. Oh, ouais. Oh, okay. Les jambes, là. Santé. Santé, rumble. Rumble. Ouais. Ouais, pas si pire. Très bon. Hey, salut les boys, je pense que vous avez fait plusieurs kilomètres, comme j'ai vu ça avec votre rumble, là, je pense que ça a donné un boost. Ouais, confirmé, donne... Dan, je te confirme que le Red Bull dans le rhum n'a pas fait aucun effet, on a tombé comme des bûches quand on s'est couché. Hey, vous aviez de l'air scrap, puis je veux savoir les boys, ça reste que c'est prometteur ce que vous avez vu. Oui, c'est prometteur, mais c'est sûr, écoute, j'avais fait une chasse, moi, déjà. Écoute, ça fait quoi? Ça fait 4 ans que je suis allé là, à peu près, Dan? Écoute, avec Louis, oui, je crois. J'allais avec Louis, j'avais tout préparé le territoire, j'avais jamais chassé là avant, j'avais fait une chasse avec Louis. Puis depuis ce temps-là, je n'ai jamais retourné là, je tiens ça mort, j'ai des Kodak partout, j'entretiens sa ligne. Puis là, j'attendais, là, j'ai dit, on va aller voir, parce que j'en ai qui grossissent. Puis là, écoute, ces Kodak, on a spoté deux, là, qui vont être commencer à être respectables pas mal. Fait que c'est ça qui est le fun, il y a des chasseurs tout le tour, mais. Tu sais, je les entretiens là, ils se font pas déranger, fait qu'ils restent là. Fait que, en tout cas, on était bien contents de notre marche. Il y a eu des souilles, on voit que les souilles ont été retapées avec le temps. C'est sûr que c'est ça. Là, c'est grand, ça n'a juste pas de bon sens, là, mais c'était oui, bien le fun. Mais moi, je parle, je donne aucun indice, OK? Mais je suis allé, c'est une expédition. Parce qu'écoute, là, moi, je ne suis pas vraiment habile là-dessus. C'est fait que je me mets, Jason disait, installe-toi sur le dedans du coin. Fait que là, écoute, je ne vous mens pas, là, ça monte de même. Là, c'est... Évidemment, il y en a un après moi qui a manqué se tuer. Là. Mais non, Éric... ben écoute, Eric est rentré à l'hôpital, il s'est viré à l'envers, puis après ça, un autre, il s'est planté une plante. Non, écoute, c'est tout qu'une place, là. Ah, oh, c'est là que tu m'avais amené une année. Oui. On a choqué. Ouais, je te confirme que ça prend des bottes bien serrées pour... L'année que je parlais avec toi, justement, on avait été au début à l'arc, on est arrivé là, il n'y avait rien, on a ressorti de suite, j'ai dit rien, j'ai retourné, c'est cet automne-là que je suis allé avec Louis, fait que je suis allé une journée avec toi, j'ai sorti parce qu'il n'y avait rien, puis j'ai retourné à la fin dans le mois d'octobre, puis là, il n'avait rentré un, on était le seul qu'on avait sur le banc, on avait des plus petits, mais il y avait un potable... C'est Kodak, puis c'est justement la bouteille qu'on voyait, la bouteille de rhum, écoute, elle remontait à 4 ans. Je pense que ça ne perd pas avec le temps du rhum, en tout cas, il était bien bon. Mais, en tout cas, vous ça, êtes encore là, il n'y a personne qui est aveugle, on est correct. On était bien content de voir la bouteille. Il y a quelqu'un qui demande, les gars, vos bottes, est-ce qu'ils ont resté dehors après cette journée-là? Oui, puis ce qui est le pire, c'est qu'on ne voit pas tout, parce qu'il y a une rivière, on a traversé à la fin, on était tellement brûlés, on a dit, hey, écoute, on n'enlève pas les bottes, on traverse direct. On était trempés à gagner, on était brûlés, raides. Ah, on a mis ça sur la chaufferette toute la nuit. Le lendemain est encore humide pas mal, mais c'est ça. On a traversé nu-pied dans l'après-midi quand on était l'autre bord, mais pour revenir, là, il commençait à faire noir, pas mal noir. Jason, il me regarde, dit « Ouais, on se déshabille-tu vraiment pour la passer? » Il dit « Ah non, fuck off, il va de même. » Correct aussi, allez, parce que moi, j'ai fait...
tu connais les Jason, tu sais, il est habitué de marcher. Là, okay? Ouais, donc, mais là, si on s'entend. On s'est déchaussé. Mais là, je ne parle même pas de la capacité. Quand on s'est déchaussé au camp, là, il y avait le dessous des pieds fendu. Ah oui, n'importe quoi, ça là. Moi, c'est la première fois que je vois ça, des pieds fendus. Ils ont fendu encore une ligne, ta brouette. Une belle ligne douette dans le plein milieu du pied. Je ne comprends pas ce qui s'est passé là. Ah, mais tu sais, j'ai dit à un moment donné dans la vidéo, j'ai dit, on ne peut pas dire, c'est une journée typique bête de chasse. On va se le dire, là, c'est pas mal abusif de dire ça. C'est un peu intense. Et, ouais. C'est le genre de prospection qu'on ne fera pas tous les jours. Là. C'est solide. On voulait le faire one shot d'une journée pour ne pas avoir justement à faire deux jours. Mais on a payé le prix un peu. Là. Moi, j'ai été deux jours pour dire à marcher. Là. Je marchais carré. Ce qui est arrivé, c'est qu'on avait prévu deux jours. Puis en décollant que le Sicco, on a fait un flat. Fait que là, on a dit on ne roulera pas sur le flat tout le long. Ouais. C'est ça qui est arrivé. On a coincé une roche en patente. Puis là, mais avec un flat, bien, oublie ça. Alors, ça... fait que là, on a dit ben, il faut le faire à pied, il faut prospecter. Fait que ce qu'on. C'est ça, on a tout fait la run au complet, aller-retour, à gauche, à droite, en haut, en bas. On a fait tout. Puis là, on montait des montagnes, puis là, j'allais montrer le territoire de Gautier. On leur descendait dans les coulées, on allait fouiller ailleurs les beaux plateaux. Je me rappelle une place, c'était dans un bord de ruisseau, dans les zones, c'était pas propre, pas doute. Mais écoute, mais c'est ça, une grosse journée, là. Ça, c'est pas mal d'un record. Mais c'est une question qui vient de passer. C'est une question qui vient de passer dans le chat. Le monde, il demande. Quand tu vas prospecter de même, pour ne pas déranger, il faut que tu y ailles combien de temps à l'avance? Si tu y vas deux semaines avant, c'est-tu correct? Comment que tu gères ça, ton temps? Normalement, c'est à peu près un mois d'avance. Là. Moi, en tout cas, j'aime pas trop ça aller là un mois avant la chasse. T'sais, mettons, deux semaines avant la chasse, je n'irai pas mettre les pieds là. T'sais. Là, nous autres, on le sait, on y est allé là, une semaine et demie, deux semaines. Puis anyway, si on retourne là, ça va juste être dans le temps de la carabine. Parce que le temps de l'arc ne sont pas vraiment là. Fait qu'écoute, c'est pas nuisible. Mais tu sais, souvent, le monde arrive à la chasse, ils font le tour de l'Ussaline, ils le voir en le Kodak, ils le chercher les photos partout, ils mettent des odeurs partout. Ça, c'est pas l'idéal. Là, et ce serait vraiment un mois avant, même que le monde serait capable de. Tu sais, souvent, stop, j'entends de plus en plus parler, par exemple, c'est qu'il y en a qui a porté le nourriture, le stock, le linge, des fois trois semaines avant, dans le mirador, le cache, le chalet, tout ça faire là, pour justement pas faire de déplacement dans le temps de la chasse. Ça, c'est sûr que ça aide. Tout le monde commence justement, il y a de plus en plus de bons chasseurs, puis écoute, ils s'adaptent pas mal à ça, là, c'est une bonne affaire. Là. Attention à ce genre de petits détails. Les gens. Ouais. Hey, les boys, on va se garder un peu de matériel parce qu'on a encore du stock à venir. Hey, pendant ce temps-là, je veux inviter mon chum Pierre Métivier qui est avec nous autres ce soir, un autre maniaque, un autre. Puis je veux savoir, Pierre, écoute, première des choses, on voulait te souhaiter la bienvenue. Comment ça va, Pierre? Salut tout le monde, ça va bien, ça va bien. Mais là, tu commences aussi à être fébrile, là, je pense. Oui, ça commence, là, disons que là, on se lève le matin, puis quand il fait 8-9 dehors, disons que l'automne, ça commence à sentir l'automne, puis ça commence à nous bouillir dans les veines. Ben écoute, c'est super plaisant, Pierre, puis je sais que, je pense que tu débutes dans quelle date, toi aussi, Pierre? On rentre vendredi prochain, on rentre le 9, du 9 au 10 octobre. OK. On est là pendant 5 semaines, puis... J'ai hâte que ça commence, là, qu'on aille décompresser un peu de roule. Écoute, on en parle, on en jase, là, mais surtout, ouais. on voit que ça commence à changer tranquillement, puis on est en plein dedans, ça fait que c'est vraiment... puis t'es presque, écoute, Pierre, t'es presque un mois presque... Je suis six semaines. Je vais être 6 semaines dans le bois. Je pars le 9, puis je reviens le 19 au total. Fait que je commence à avoir hâte, parce que j'entends des gars parler tantôt qui disaient qu'ils ont été sur les territoires et tout ça. Moi, l'été, j'essaye d'y aller le moins possible. Je suis allé deux fois seulement cet été. Fait que j'ai hâte de mettre les pieds dans le bois, disons. Là. Avec raison. Puis c'est parce qu'il y a un gars qui me demandait ça, voir les dates que tu as en haut pour ta conjointe, elle reste en bas, elle. Oui. Non, mais tu sais, un gars s'informe quand même, il dit, écoute, vu que les dates, je vais essayer d'y demander discrètement. Là, je pense que t'as... Bien passé 3-4 jours avec nous autres en haut, c'est tout dans le mois et demi, disons. Exactement. Je pense que tu as été faire un petit tour de prospection aussi dans ton coin. Ben écoute, ça fait assez longtemps que tu travailles dans ton même secteur, fait que tu viens... 18 ans que je suis dans la même zone, disons que j'ai moins besoin d'y aller, là. Je sais comment ça se déroule à tous les automnes. Disons que ça ne change pas beaucoup d'un automne à l'autre. Mais je suis allé chercher mes chips hier dans mes caméras. Puis comme toujours, au mois d'août, c'est tombé super tranquille. On voit juste des femelles puis des veaux. J'ai vu deux spikes sur les photos. C'est tout ce que j'ai vu. Les gros bucks, on dirait qu'ils sont rentrés dans la terre. Là. Ils sont cachés quelque part. Le rut s'en vient. Là. Ils prennent du recul un peu. Là. Exactement.
C'était en plein ça. Puis j'ai même, écoute, j'ai même posé la question à Jason. Hein, dis-moi d'où, oui, ça peut être un facteur. Puis souvent, ça arrive. Fait que l'histoire est là. Écoute, Pierre, on veut mettre un petit clip. C'est un clip que tu m'avais envoyé quand je t'avais vu l'an passé. Il dit, Dan, check ça. Il dit, on en a fait venir un. Écoute, il est venu presque à côté de vous autres. Puis puis le groupe avec qui tu étais, c'était des gentlemen puis tout. Fait qu'écoute, on écoute ça puis on revient immédiatement après. Ça va donner encore un petit peu de goût à nos amateurs à soir. Ça fait qu'on y va avec le clip Approche Orignal de Pierre Métivier.
Oui, bien, Pierre, toute une séquence est quand même spéciale. Tu étais vers quelle date? Je pense que tu as du 15-20 septembre dans ces deux ou du 20-20-25? Tout 18-19, on est arrivé, puis on était dans le chemin, comme vous avez pu voir, on était 4, 4-5, je pense, même dans le chemin. Là. Mais quand ils sont crochetés, les orignaux, ils s'en viennent, puis ils ne s'occupent même pas de nous autres. Hein. J'avais juste à passer un petit peu à la palette, puis surtout de la bonne urine, on avait de la bonne odeur. Puis j'avais un petit vent pour moi, ça fait que ça a fait la job, là. Comme vous avez vu, il est venu à peu près à quoi, 25-30 pieds de nous autres, puis il n'a jamais décrocheté. Même, il a fait le tour, après, on a arrêté de filmer, puis il virait autour de nous autres. Quand ça lui rentre dans le nez de la bonne urine pure, là, disons que c'est dur à battre. Exactement. Ben écoute, je pense que c'est un outil vraiment très important. Ben écoute, on va en parler à Jason puis à Dan. Je pense que vous êtes pas mal du même avis, les boys. Ben, c'est pas compliqué. Là. Oh. Moi, tu sais, je sais bien que je vais toujours travailler de l'urine pure avant n'importe quoi d'autre. Là. C'est pur, c'est de l'orignal. On ne se trompe pas. Là. Ils sont habitués de sentir ça. Fait qu'on ne lui crée pas de doute. On ne crée rien. On ne crée rien de nouveau. Fait qu'on fait juste les activer. Si je me rappelle, on parlait avec Pierre. Il disait qu'il prenait de l'urine d'une souille. Puis il allait dans une autre montagne, mettre sur une autre souille. Ben, c'est exactement ça, activer les orignales. Tu prends de la vraie urine, tu vas mettre dans le nez d'un autre vrai orignal avec de la vraie urine aussi. Ben, c'est sûr que ça va le craquer bien raide. Son nez, là, il va dire écoute, là, ça ne marche pas. Il y a un orignal ici. Là, c'est un peu l'idée, n'a rien de ça. Tu sais, Jason, on a la chance d'en tuer plusieurs par année. Puis, comme que je t'ai, on a toujours compté, puis qu'on a jasé tous les deux, j'ai des petits pots. Mon premier, c'est numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis, je joue avec l'urine 1 sur le territoire du 5. Puis, tu sais, on essaye toujours de. Mais tu peux pas te tromper. Il y a un intrus dans le coin, puis pas trop long qu'il essaye de le trouver. Non, 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 c'est ça. Ils savent carrément. Ils démêlent les urines. Ils savent telle urine, c'est telle. Ça n'a pas de sens. Oui, aucun sens. S'ils se connaissent, ça n'a pas de bon sens. Ben exactement, mais c'est ça qui est l'histoire. Mais juste une anecdote, Pierre, parce que moi, j'avais été faire un tour, j'avais été te voir l'an passé, puis Jason avait fait un film avec la dame de concours Sagami, et puis toi, tu étais avec un autre client, puis écoute, Pierre, quand il a abattu, écoute, on était quoi le 13-14 octobre, on est quand même, on dit l'après-route, Jason a fait venir un, je pense, à 15-20 pieds. Puis toi, écoute, ça s'est fait en dedans de quoi? 40-50 pieds. Puis ça, c'est-tu vrai? On a trouvé une souille, quoi? On attend. J'ai le vidéo, puis tu dis la date, puis t'es deux pieds dans la souille, puis il est mort 5 pieds au côté de la souille. Tu sais, c'est incroyable. On ne dit pas qu'elle était fraîche, pareil, comme une du 20 septembre, là, mais non, elle sentait une petite odeur. Mais me semble, 13 ou le 14 octobre. Là, exactement. Donc, c'est en plein ça. Écoute, Pierre, on voulait te dire un gros merci de ta présence à soir. On voulait te dire aussi, on voulait te souhaiter une superbe automne avec tes clients. Amuse-toi, je pense que c'est ça qui est le plus important quand on regarde toute l'histoire au complet. C'est d'avoir du fun, s'amuser, puis je pense que de cette façon-là, on est capable de faire vraiment un beau temps de chasse, là, parce qu'il faut arrêter des fois de se mettre de la pression. Il y a assez de nous autres, puis on essaie de s'en mettre pour en donner plus, mais les gens qui rentrent dans le bois, mettez-vous pas de pression, puis je suis certain que ça va aller super bien. Même côté pêche, Ken, on parle côté chasse, mais côté pêche, là, tu sais, c'est la même chose. La pression, oui, t'en prends, mais il faut que tu laisses aller, il faut que tu prennes le fun aussi, là. Oh, bon, on n'entend plus le son, hein? On n'entend plus. Ça gratte beaucoup. Hey, c'est pas grave. C'est bien qu'il manque de propane aussi. Il n'y a pas de trouble à avoir, mais juste pour vous dire, c'est important de garder toujours le fun au travers de toute l'histoire au complet. Fait que c'est ça qui est très important. Hey Pierre, merci beaucoup pour ta présence. On voulait dire un gros merci, puis on te souhaite une superbe automne. C'est moi qui vous remercie, les gars, puis je vous souhaite une superbe saison. Nous autres, Daniel, on se revoit au courant de l'automne. Ben, Dan et Dan, puis Jason aussi. Fait que on se revoit, puis on se donne des nouvelles, puis on met quelques photos sur le Facebook pour se tenir au courant. Yes. On va être là. Merci encore, Pierre. Excellent. Salut, gang. Bonne automne. Bye. Écoutez, boys, nous, de notre côté, ben, on a encore un beau petit film à vous présenter. Puis après ça, ben, écoute, on va extrapoler un peu avec quelques calls, quelques techniques qu'on va essayer de
pour faire triper le monde puis les mettre encore plus dans l'élément qu'on s'en va. Donc, écoute, Dan, c'est un séjour que tu as fait l'an passé, OK? Je pense que tu étais sur la réserve des Laurentides. Oui, exactement, oui. Avec les frères Kerouac. OK, puis je veux dire, c'est une zone, c'est pas une zone qui est facile, mais tu avais eu la chance quand même de récolter quand même assez vite, là. Oui, bien, la première journée, en fait, le premier soir, mais une fois que le petit film va être passé, moi, ouais, juste une petite, comment je dirais ça, un petit conseil à de nos gens, parce que c'est exactement ça, ce conseil-là, qui a permis qu'on ramasse ce boc-là. Puis je ne veux pas trop rentrer dans le détail du conseil, parce que je vais être obligé de le dire. Fait que j'aimerais ça, je vais le commenter tout de suite après le film. C'est vraiment pas grand-chose, mais quand je vais le mentionner, là, les gens vont peut-être allumer un peu plus à faire attention à ce petit détail-là. Bon, mais excellent. Fait qu'écoutez, boys, on s'en va vers le film, puis on vous revient immédiatement après. Salut la gang. Chasse à l'orignal sur la réserve des Laurentides. Présenté par Les Armes Antlers, CEPAC, Expo Nature, Bushnell, Domaine Aurignac et Remorque Idéal Cargo. Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Martin Kerouac, je viens de la ville de Québec. En fait, cette année, j'ai décidé de venir vivre un trip de chasse à la CEPAC, au Parc des Laurentides avec mon frère. Salut, je m'appelle Jean-François Kerouac, frère à Martin, je suis de Québec moi aussi. Dans le fond, mon expérience de chasse se résume à 5-6 années au Chevreuil. C'est ma première expérience au niveau de l'orignal à la CEPAC. Et ça en est toute qu'une. On a décidé, avec l'hiver qu'on a eu et la COVID, avec toutes les lives que j'ai regardées de TFCP, de faire affaire avec Dan Lavoie, guide, puis on n'a vraiment pas été déçus. On est venu prospecter la zone au mois de juin. Il y avait quand même des signes prometteurs. Ça avait du bon sens. On a un prospect intéressant. On recherche un vieux boc en déclin. Puis, je compte bien le trouver. C'est une photo d'une de nos caméras de surveillance qu'on a sur la zone. Mais je suis pas sûr que la viande va être bonne. Ça va être grave. Ça va être dur comme de la semelle de boîte. Fait qu'on avait bien hâte au début de cette chasse-là. On est arrivé le premier soir. Là, c'était vraiment décourageant un peu. La météo, il mouillait, il ventait. Là, Donc, la première soirée, on n'a pas pu vraiment chasser. Le lendemain matin, on était crinqués, si je peux dire ça comme ça. Le premier matin de chasse, on décide de partir toutes les quatre. Puis, ça fait un beau petit trajet. On a fait une dizaine de kilomètres en avant-midi. On a marché énormément. Sur notre trajet, on a croisé un petit bas qu'on n'a pas réussi à avoir, par exemple. C'est un petit bas qui était timide, peureux un peu, je pense. Ensuite, en après-midi, le vent a diminué quand même pas mal. On a décidé de pouvoir couvrir un petit peu plus de territoire.
Puis vers la fin de la journée, en fait, il fallait revenir au VTT. Donc, on avait à peu près un 3,5 km de marche à faire. Puis Dan, avec son excellent travail, fait du rockling, call. On est tombé sur un frotté frais qu'on estimait peut-être à environ à une semaine. Il y avait de la belle trace également. Là, on entend un orignal se déplacer. Puis on l'entendait vraiment bien, là, on était vraiment pas loin. Donc là, le buck a commencé à faire du rockling. Puis la séquence s'est quand même passée rapidement, mais moi, je voyais pas le buck. Je tasse Martin carrément, parce que là, lui, il voyait pas. Oh oui, je suis content. Une fois le bac à terre, les émotions se sont emparées de moi. Que j'y croyais pas, mais aujourd'hui. Merci, Alex. Écoute, Martin, je pense qu'il a bien apprécié le moment, puis les émotions étaient au plafond. Oh man, je suis content. Que je suis content. Même cru voir peut-être une petite larme un instant couler, tu sais, en tout cas. Yes, sir. Fait qu'on a appelé son frère, on a appelé Jean-François. Je dois dire, j'y croyais plus ou moins, donc je me suis déshabillé, let's go. Ah ouais, les shorts faisaient quand même chaud, les sandales, t'as le kit, puis là... Jeff, buck down! on a établi, dans le fond, la stratégie pour venir sortir tout ça, on était bien contents. T'as le temps d'en dire à carabine, non? Je souhaite à tout le monde de vivre un trip comme j'ai vécu avec mon frère. C'est important, je pense, là, de combiner passion et famille. Puis je peux vous dire une petite chose aussi en passant, c'est que de faire affaire avec des professionnels comme Dan, comme Alex qui nous a filmés, merci à TFCB et merci à Dan Lavoie-Guide. Solide! Attends un peu. Yes. Fait que, écoutez, boys, je pense qu'on vous a mis quand même, quand je parle des boys, je parle des girls aussi, parce que maintenant, on est tellement content quand on a des dames qui viennent à la chasse, il y a même des dames qui partent en groupe, ils font le chasse ensemble, alors je lui lève mon chapeau, puis bravo. C'est essayer, puis faites le trip, puis vous allez voir que c'est pas juste
le fait de récolter un gibier, c'est tout le fait, qu'est-ce qui se passe alentour, la préparation, la prospection. Vous avez vu qu'est-ce que les gars ont fait? La prospection, les gars, dans votre tête à vous, ça peut jouer sur combien, sur le succès, là, de savoir où est-ce qu'on s'en va, savoir où est-ce que... Je le sais que c'est énorme, là. Puis surtout quand les gens qui allent sur des réserves, écoute, il faut que tu saches où est-ce que tu t'en vas pour une bonne raison. Tu as 4 jours et demi de chasse, ça fait que c'est certain que si tu arrives là puis tu sais pas où est-ce que tu t'en vas, ben là, tes chances commencent à faire ça, là. La prospection, c'est pas compliqué, mais ça change terriblement. Puis même si tu trouves... Des fois, là, tu marches à quelque part, tu penses que c'est bon, puis c'est pas bon, tu arrives là, puis hey, c'est bon, rien en tout. Mais c'est bon d'y avoir été, parce que quand tu vas arriver à la chasse, tu ne retourneras plus par ton temps là. Mais tout ça, ça fait une différence. Puis je te dirais, plus que le territoire est bon, ben écoute, moins que tu as besoin d'en faire. Mais des places que je sais que ça va être dur terriblement, des fois, je vais mettre 4, 5, 6, 7 jours de prospection. Une place que ça va être plus facile, mais écoute, des fois, c'est rare, surtout là, avec les bébés, puis là, de nouveaux bébés, mais là, des fois, ça arrive comme cette année, il y a une place ou deux que je n'ai même pas le temps d'aller. J'ai les cartes, j'ai toutes. Les cartes vont souvent nous. Mais je sais qu'il y a des options en masse. C'est pas comme une place comme. Tu sais, on décolle à des places, territoire public, tout ça. Tu n'as pas le choix de prospecter. Tu n'as pas le choix. Ça dépend tout le temps, mais c'est sûr qu'on s'aide énormément, énormément, énormément. La clé du succès passe par là. Là. C'est-à-dire, à la limite, au départ, là, tu checkes ses cartes. Si, mettons, je ne sais pas, je dis un chiffre demain, mettons, tu as 15 km² de territoire. Après avoir fait une bonne analyse un peu des habitats et des composantes, ça prend selon la date que tu chasses, tu vas probablement diminuer ton secteur à fouiller. Là. Au lieu d'avoir, comme je dis, un 15 km², tu vas peut-être diminuer ça à 5. Là, tu vas prospecter les 5 km sur le terrain. Puis une fois ça prospecté, tu vas peut-être tomber à 3-4 km de carré de bons habitats pour chasser. Fait que si tu prospectes pas en tout, tu ne fais pas de prospection, puis tu marches la zone au complet, d'un bord puis de l'autre, avant de trouver des signes, puis tu es restreint dans le temps, comme tu viens de le dire, Dan. Des fois, on est là 4-5 jours dans pour un guidage. Fait qu'on ne peut pas se permettre de dire y aller au pif. Au moins à bord, c'est sûr que ces cartes, on se débrouille quand même pas mal pour trouver les bons habitats, mais la prospection reste quand même une belle confirmation de tout ça. Là. Puis il y a deux mondes, hein? Tu sais, on parle de réserve. Exemple, on parle de réserve de Laurentides. Tu as des territoires de 100, 125, 150 km². Puis tes réserves, exemple, ça arrive sur le matin, les Bousquis, tu as des territoires de 13, 14, 15, 16, 17 km². Bien, sur 150 km², tu as affaire à te virer de bord. Parce que si, écoute, comme Laurentides, c'est pas là qui en a le plus, je pense, à tirer à, je sais plus, l'année passée, 30, 40, je sais plus, % de réussite, ça n'avait pas été une grosse année. Bien, l'Orignal, il n'y en a pas gros. Il faut marcher, il faut trouver des places. Justement, sur 150 km², il y a peut-être rien qu'un 10 ou un 8 km qui vaut la peine d'être marché. Puis, dans les petites réserves, bien, pas dans les petites réserves, mais dans les autres réserves qui vont avoir les plus petits territoires, bien, souvent, même si tu marches toutes, bien, c'est bien beau, vas-y, tu vas trouver bien plein de bonnes places, mais tout dépend de la gang qui a passé avant toi ou des gangs qui ont passé avant toi. Fait que je te dirais que la meilleure prospection d'une petite zone, pogne le pick-up le soir avant de commencer, ben ça commence le lendemain matin, mettons, puis fais le tour de tous les chemins, puis trouve des traces. Parce que même si l'habitat est parfait, il y a des sous, il y a ci, il y a ça, il y a du monde partout, tout le monde court dans le bois partout, puis les ornières, ils sont souvent ce que c'est qu'ils ont à paix, même si l'habitat n'est pas beau. Fait que la prospection là-bas, ben, en tout cas là-bas, d'une place à l'autre, ça peut varier. On ne va pas toujours regarder les mêmes éléments. Là. Absolument. Moi, les gars, écoute, je veux juste vos trois, j'aimerais ça, dites-moi vos trois meilleures dates. Vous autres, personnel, je ne veux pas dire que pour un autre, c'en a un autre, mais dis-moi trois blocs de quatre jours que tu dis, moi, là, ça, c'est mes 4 jours à moi, puis je suis certain que dans ces jours-là, j'adore ça. Moi, je commence, OK? Première semaine de septembre, quand je parle de première semaine, donc immédiatement après la fête du travail, là, pour moi, du 5 au 9, 10 septembre, on est dedans à tabarouette. Puis après ça, j'aime bien du 1er au 10 octobre. Mais c'est mon choix à moi. Vous autres, les boys? Un bloc de 4, Dan, ça comprend 4 jours. Là, t'es rendu à 10 jours. Non. Attends, non. Moi, j'ai du 5 au 9, OK? Mets-toi du 5 au 10 septembre. Après ça, du 1er au 5, c'est parce que je prends l'autre après, du 5 au 10. Fait que c'est pour ça que mes trois blocs de 4 jours. Ah, OK. Je comprends, là. Ouais. Là, je commençais à trouver que tu te donnais de la viande pas mal pour ouais. Moi, là, écoute, je dirais numéro 1, c'est du 29 septembre à aller au 3. Du 29 au 3, numéro 1. Numéro 2, du 18 au 20 septembre. Puis numéro 3, du 8 au 12 octobre. Oh. Ouais. 8 au 12 octobre, c'est de l'or en bord. Ah,
Ça, oui. Oui, c'est vrai. Moi, septembre, là, j'aurais porté, j'aime bien gros la première de septembre première, mais oui. encore, à ce que je trouve, c'est une coche de plus rendu au 15. Du 15 au 18, 15 au 20, là, ça serait probablement mon premier choix. J'aurais la dernière de septembre. Oui, dernière de septembre, puis le troisième, là, moi, c'est sûr, je dépasserais. Je m'en irais probablement dans les alentours du 8 au 12, quelque chose du genre. Ah. Regarde, excellent. Non, mais ça donne quand même un feeling. On dirait qu'on... J'aurais pas dit ça, étrangement, j'aurais pas dit du 8 au 12, là, mettons 5 ans. Là. C'est depuis les dernières années, là, j'ai trouvé que ça, c'était une surprise. Tu l'as lu dans mon livre? Ouais, ben écoute, oui, écoute, j'ai imprimé les pages, j'ai ça partout dans mes... Alors, je te niaise bien raide. Mais ça redonne vraiment un boom. Ça redonne vraiment un boom, c'est génial. Absolument. Mais moi, Dan, là, c'est parce que moi, l'an passé, je me rappelle le dernier live qu'on avait fait avant la chasse. Tu n'avais pas de l'air sûr de le premier samedi de chasse, puis je me rappelle, tu m'envoies la photo, il est 7h45, un boc tout en bois, là, aucun velours, tabarouette, je capotais. Hein. C'est une vieille photo, ça se peut pas. Full bois, mon ami, un beau boc de 45 pouces, je pense. Écoute, le premier matin, on était quoi? On était-tu le 4 ou le 5 septembre, je pense? Le 4 septembre, oui. Le 4. Au matin, là, puis ça s'en venait, mon ami, ça rotait. 7h20, puis on a ramassé ça. Écoute, là, j'ai pas de témoins, mes clients sont pas là. J'ai d'ailleurs vu une formation au Saguenay l'autre jour que je salue. Puis on a récolté ça en plein combat. Bon, qu'on s'en allait se battre, tirer à 25 pieds. Ça à 25 pieds, ça le saletin. Parce que je ne joue pas un peu dans l'orignal, là, mais on s'entend qu'à 25 pieds, tu commences à le regarder comme ça dans les airs. Là. C'était le temps qui shot. C'était vraiment une belle chasse. Puis c'est... Mais par contre, là, c'est pas, le commun des bocs là, qui sont sur le bois comme ça, le 4 septembre. Là. Jason peut-être n'a vu plus que moi probablement sur le bois ces dates-là. Là. Moi, honnêtement, c'était mon premier que je pognais sur le bois comme ça. Ben. Le 4 septembre, comme t'as pogné sur le bois de même, je n'avais jamais vu. Bien brun, là. Ouais, non, c'est ça. Je l'ai vu sur le bois le 4 septembre, mais brun comme le tien, je n'avais jamais vu ça. J'ai vu le 7 septembre à Rimouski, la première année que j'étais là. Ça remonte à longtemps. Il y en avait un qui avait arrivé bien brun. Il commençait à sentir à peine. Puis on était le 7 de septembre. Puis, écoute, je pense qu'on vient de perdre dedans, hein? Ah, OK. Il est réapparu. Non, ça avait lagué, c'est bon. Désolé. Ben non, ouais, ben... Écoute, mais c'est ça, tu sais, fait que c'est quand même là-dessus, mais on s'en va, là, on s'en va vers le meilleur, là, fait qu'on est vraiment tout contents. Moi, de notre côté, les gars, avant qu'on se quitte, on voulait dire un gros merci, puis moi, je voulais souhaiter vraiment une très belle saison de chasse à tout le monde, OK? C'est vraiment super important de profiter de ces moments-là, en contact avec la nature, en contact avec les gens que vous aimez. Vous allez à la chasse pour avoir du plaisir avant toute autre chose. Et qu'est-ce qui est important, c'est que d'en profiter. Oui, la récolte est là, la récolte est un bonus. Puis cette récolte-là, vous le savez, on fait ça pendant l'hiver au complet. Écoute, on fait des fondus, on se compte des affaires. C'est vraiment quelque chose d'un gros surplus qu'on peut avoir. Mais même si vous n'avez pas de récolte, c'est pas grave. Profitez du moment. Puis ça, c'est vraiment très important. Puis, il ne faut pas oublier aussi, avant de se quitter, je vais donner quand même la parole aux gars. On a trois choses. Les gens qui veulent acheter l'urine d'extrême CG, OK, on a chez les marchands Écotone, on a l'urine bête de chasse. Donc, allez chez les marchands Écotone. Et la même urine se trouve être quand même là, chez nos amis pour Moose Master, il est là aussi. Donc, vous pouvez en acheter. Donc, extrême CG, nos amis Carl Gilbert, qu'on salue en passant. On va faire tirer deux, non, on va en faire tirer trois ce soir. Donc, on va faire tirer ça, puis on va vous envoyer ça immédiatement pour justement vous gâter un petit peu, donc, nos amis d'Extrême CG. Alors, merci beaucoup. Donc, on va y aller avec les boys maintenant, avec Danny puis Jason. Hey, en passant, Kenny n'est pas là. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Son laptop a lâché complètement. Fait qu'il m'a... Il vous dit tout salut toute la gang, ça fait que c'est rien qu'une question de principe. Je vous reviens avec le nom des gagnants immédiatement après. Jason? Yes. Fait que c'est ça, écoute, dans le fond, merci d'avoir été là. Vous avez été pas mal de monde à soir. Nous autres, écoute, moi, il me reste deux jours. Fait que vendredi, on se rejoint nord du Lac-Saint-Jean.
Chasse territoire libre, on voit ce que ça va faire. On a 3-4 jours. Là, fait que c'est, en plus que là, on a vu un météo tantôt, ils nous annoncent un 30 degrés. Fait que 30 degrés, on va espérer que ça fasse. Il y a des bonnes chances que ça fasse. Je pense que nos chances sont à 70-75%. Il y a un beau bac mature sur le territoire. Ça fait une couple d'années qu'il vira là. Fait qu'on va essayer de le pogner. Fait qu'on vise pas mal lui. Si on voit de quoi d'autre, on va sûrement laisser passer. Mais en tout cas, on va essayer de faire des images assez tripantes. On veut vous montrer ça. On va travailler tant qu'on est capable. On va essayer de s'amuser aussi, pas trop se stresser, parce que je suis pas mal bon là-dedans. Moi, je me mets pas mal trop de pression. Mais c'est ça, on va avoir du fun, puis c'est là que ça commence. Fait que tous ceux-là qui décollent le chasse, ben écoute, essayez d'avoir du fun. Si je peux vous donner un conseil, faites-en pas trop. On en fait souvent trop. Puis des fois, souvent, quelque chose que je dis, puis que, écoute, là, je me sens que je vais décoller, il faut que je m'arrête, là. Souvent, quelque chose que je dis d'information, c'est que il y a des journées que je vais faire 4 calls. Ça, c'est une journée complète, OK? Puis ça, ça surprend tout le monde. Je fais, hey, 4 calls, voyons donc, OK? Il y a des journées, oui, je vais en faire 25-30. Mais souvent, plus que je sais qu'il y a du monde alentour, je vais caller beaucoup moins. Fait que faites-en pas trop. Faites-en pas trop. Servez-vous de la nature. Cassez des branches. Marchez dans l'eau. Faites des renouclements. Faites semblant de manger des feuilles. Allez-y avec la base. Comme ça, vous n'aurez pas brûlé le territoire. Vous allez avoir encore des options pour les jours qui viennent. Fait qu'allez-y comme ça. Là, là, la chasse commence. Les ornières ne sont pas primées. Ça va donner un petit coup. Ils vont perdre le velours. Mais écoute, les femelles, là, ils vont avoir le premier cycle de chaleur va décoller 2, 3, 4 septembre. Mais les mâles ne seront pas craquants en fou. Ce n'est pas ça. Là, ils savent. Là, écoute, il reste 25, 26 jours avant de s'accoupler. Ce n'est pas le temps de se battre. Là. Fait qu'allez-y, mollo. Énervez-vous pas trop un petit peu de panache. Femelle veau. C'est ce que c'est qui va marcher. Fait que moi, je laisse la parole à Danny là-dessus. On s'en donne des nouvelles pendant la charge. J'essaie de vous envoyer des photos quand j'ai du réseau. Écoute, je vais essayer de vous tenir au courant un peu plus cette année quand je passe, parce qu'en plus, je vais avoir du temps. Comparativement à toutes les autres années, l'habitude, écoute, je suis à côté 7 jours sur 7. Cette année, ben, je suis obligé de, ben, pas obligé. Je prends une partie de ma chasse, justement, parce que moi et ma blonde vient d'avoir un autre bébé. On est rendu avec deux petits garçons. Donc, je fais une semaine de chasse, une semaine à la maison, une semaine de chasse. Fait qu'au lieu d'une dizaine cette année, je vais guider environ 4 ou 5 gang de chasse. Fait que c'est sûr que c'est correct, mais c'est bien parfait comme ça. Fait que bonne saison tout le monde. Tenez-moi au courant. Parfait. Je vous passe ça à Adam. Absolument. Mais hey, Jason, avant toute autre chose, je pense que tu avais levé un point sur les réseaux sociaux, que tu cherchais peut-être un groupe, qu'on voulait peut-être faire une chasse live là, Autres. OK, c'est bon d'en parler parce que je n'avais pas parlé. Oui. Là, il y a plein de monde. OK. Dans le fond, là j'ai ramassé plein de noms. OK. J'ai remonté plein. Il y a, écoute, à peu près là, 250-300 personnes qui m'ont écrit pour faire la chasse live. Okay? Ça, je veux faire ça l'année prochaine. Ça ne veut pas dire que ça va se faire, OK, pour commencer. Mais je travaille là-dessus, ça serait le fun. Là, j'ai sorti 10 noms. Les critères, c'était vraiment qu'il y ait du réseau. Parce que, écoute, tout le monde m'écrivait, puis au bout de la ligne, je me rendais compte qu'il n'y avait pas de réseau à peu près nulle part sur le territoire. Parce que moi, dans le fond, c'est que la caméra va filmer du matin au soir, tous les jours, en arrière de moi. Puis le monde va pouvoir se connecter. Écoute, la façon que ça va se faire, je ne sais pas encore. Mais ça, c'est pour l'année prochaine. Donc, territoire libre, c'était territoire libre. Ça me prenait assez grand pour ne pas, écoute, se faire battre par quelqu'un en direct. L'idée, c'est pas d'aller déranger le monde. En live. En live, le gars qui nous crée après. Non, c'est ça. Puis écoute, c'est certain que ça prend un territoire qui est un peu d'ornial. J'ai mes 10 noms. Je l'ai écrit sur ma page, les 10 finalistes. À partir de là, ben, il va y avoir des analyses de cartes, etc. à faire pour être capable de décider ça va être qui vraiment le dernier. Mais en tout cas, on travaille là-dessus. Puis il y a des grosses chances que ça se fasse justement pour l'automne prochain. Donc, ça serait un beau trip là, de quoi de différent. Puis en tout cas, fait que c'est primaire, mais on va avancer là-dedans, c'est certain. Excellent. Fait que Dan, toi? Yes. Ben, moi, écoute, c'est un peu la même chose. Reste 2 jours, pas vendredi matin, même chose, on se rejoint. D'ailleurs, bien content, c'est la première fois depuis 3 ans maintenant qu'on fait un groupe d'eau, moi puis Jason, on chasse ensemble. C'est le même guidage, fait que c'est bien le fun. Pas besoin de vous dire qu'on tripe assez fort, c'est solide. Fait que je suis bien content d'un pour ça. Et évidemment, écoute, chasse hâtive comme ça, j'aime bien ça quand ça commence en septembre. On est tous primés d'aller dans le bois. Fait que je suis bien content. Moi, si j'aurais peut-être un petit conseil. Tantôt, là, dans le film là, avec Martin Kerouac, vous avez vu, on a récolté ce boc-là dans la vidéo, on nous entend dire à un moment donné, on a fait 17 km de marche de chasse dans la journée, puis on a récolté ça sur le chemin du retour du VTT. On avait 2,5 km à faire pour aller au VTT. Ce 2,5 km-là, là, on aurait pu s'en aller en gambadant et en disant « Yes, sir, on va à bière, on va trouver Dan au chalet, on va prendre la bière. » Ça, c'est on l'a fait. On va chasser Dan au chalet. On a chassé ces 2,5 km-là parce qu'il faut toujours être en orignal dans le bois.
Trudeau se comportait comme un orignal. Puis on est arrivé sur un plateau, ce qui sent, on avait un frotteur, on a jasé un peu, j'ai montré à Martin, frottage d'environ une semaine, il a frotté comme ça. Puis j'ai imité un bac qui frottait, j'ai fait un appel parce qu'il y avait comme un petit plateau, c'était, si tu voyais, le son allait résonner un peu, fait que j'ai fait des petits appels là. C'était instantané. Instantané. On a entendu un orignal se déplacer dans le bois. Puis vous voyez aussi une autre affaire, un autre conseil sur la même séquence. Là, on était le 15 septembre dans ce film-là. Puis vous voyez le bac apparaître dans le bord du chemin. Puis quand il fait du rocking, puis il m'écoute, puis il analyse ce que je vais répondre à son intimidation, là, vous me voyez frotter. Là. C'est à peine, d'après moi, si vous l'entendez à l'écran. Vous voyez la palette monter, descendre. Vous entendez à peine le son. Il faut s'enlever de la tête, là, qu'il faut se décoiffer la coiffe des rotateurs comme dans le rocking. Il faut arrêter d'y aller trop abusément là-dessus. Il faut être réaliste le plus possible pour les dates que vous chassez. Puis vous allez voir, ça va augmenter énormément l'interaction avec le gibier. Juste d'être réaliste par rapport aux dates. Pensez un petit peu à ce que vous faites. De me poser vos questions. L'orignal, fais-tu ça? L'orignal, fais-tu ça? Fais-tu ce comportement-là pour la date? Puis ça va déjà donner un bon coup de main pour être réaliste pour la date, puis donner une chance d'avoir l'interaction. Puis d'arriver au chalet, si ça n'a pas fait, vous n'avez pas abattu, mais en tout cas, vous allez arriver au chalet avec une histoire du genre, j'ai eu une réponse, j'ai eu un bouc, pas capable de tirer. Tu sais, ça commence déjà là. Puis après ça, le succès va venir après. Fait que, écoutez, moi aussi, là-dessus, j'aimerais ça vous souhaiter une superbe belle saison de chasse, puis profiter du bon temps en forêt. On aura toute l'année que ça arrive, ce moment-là. C'est là que ça se passe. Fait que, à chacun d'entre vous, une bonne saison. Puis on va évidemment essayer de vous donner des nouvelles aussi sur les réseaux sociaux, là, aussitôt qu'on a du réseau. Fait que, alors, je n'enverrai pas de photos à Dan nécessairement à tous les 4 septembre, là, mais malgré que je n'ai pas eu ça l'année passée, un petit FaceTime, c'est pas pire. Excellent. Hey, les boys, un gros merci de votre présence ce soir. Merci écoute, on a monté jusqu'à 1800 personnes en direct. C'est vraiment incroyable. Merci de nous suivre, puis on vous promet vraiment, on va essayer de faire de notre mieux pour arriver vraiment avec des belles captures d'écran, si on vous le promet. Nos gagnants ce soir, on a fait un gagnant pour, j'aimerais ça, Antoine, que tu puisses nous mettre ça en ligne, notre gagnante du télescope Bochnel. En passant, 30% remise postale, allez chez nos amis Écotone, vous allez avoir votre 30%, donc il n'y a pas de trouble à avoir. C'est Isabelle Gagné, vous allez rentrer pour qu'on va vous demander de venir nous parler en privé, OK, pour justement avoir toutes vos coordonnées, votre adresse, numéro de téléphone, et ça va être envoyé de chez Bochnel directement chez vous. Donc, Isabelle Gagné, veuillez nous contacter, s'il vous plaît. Et nos trois gagnants pour les bouteilles d'urine extrême CG, urine naturelle. Donc, on parle de Éric Pelletier, on a aussi Miguel Manceau et Lynn Tremblay. Alors, c'est nos trois gagnants. Alors, on voulait vous dire merci beaucoup. Trois gagnants des fameuses urines naturelles de notre ami Carl Gilbert pour les produits extrêmes CG. Alors, sur ça, merci, bonne chasse à tout le monde. Merci de votre présence. Nous, on va revenir en live dans la première semaine de décembre. On a bien hâte. On a une grosse saison pour nous qui s'en vient. Fait que portez-vous bien. Surtout, on vous souhaite une bonne chance de succès. Et surtout, on vous souhaite d'être... Bon, on ne vous le souhaite pas. Soyez prudents et on vous souhaite une excellente saison de chasse. Merci beaucoup. Puis on vous dit... au mois de décembre, tout le monde. Merci, au plaisir.